François-Vincent Raspail était un biologiste, chimiste et homme politique français, né en janvier 1794 et mort en janvier 1878. Après avoir étudié le droit et les sciences naturelles, Raspail publie plusieurs mémoires sur les tissus végétaux et animaux. Ses activités républicaines, après la révolution de 1830, à laquelle il a participé, lui valent d'être poursuivi et condamné à plusieurs reprises. Ses travaux dans le domaine de la médecine et la publication de ses livres, Le médecin des familles en 1843 et Le manuel de la santé en 1845, lui valent, quant à eux, d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine en 1846. Fondateur d'un journal républicain, il est l'un des premiers à exiger que la République soit proclamée en 1848. Candidat socialiste contre Louis-Napoléon Bonaparte lors des élections à la présidence de la République, il n'obtient que quelques 36 000 voix. Condamné en avril 1849 pour sa participation à la journée d'émeute du 15 mai 1848, il s'exile en Belgique. Après avoir été amnistié, il rentre en France en 1863 et est élu député en 1869. Député des Bouches-du-Rhône de 1876 à 1878, il se bat pour l'application des principes républicains et pour l'amnistie des communards.